Il se fait appeler Korbach Oud, le rappeur, auteur du clip tourné à Grenoble, où l'on voit des hommes armés autour d'un point de deal. Le jeune homme de 16 ans a été mis en examen hier soir pour complicité de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. La justice cherche désormais à savoir quand ces vidéos ont été tournées. Le parquet note des contradictions et incohérences sur la date de tournage. Comme je le dénonce depuis le début, ces vidéos sont devenues un clip et non pas l'inverse. C'est pas un clip qui en sont devenus une vidéo. Je reste convaincu que ce clip a été fait a posteriori, justement pour essayer de dire que c'était un montage musical pour que la police puisse quitter le quartier et que le commerce puisse reprendre ses droits. Consommateur de cannabis, le rappeur a reconnu avoir fait le guetteur dans un autre quartier grenoblois et avoir participé au trafic de drogue. Il a été placé en liberté surveillée préjudicielle avec placement en foyer et obligation d'accomplir une mesure de réparation. Sur le fond, le rappeur sera jugé à une date ultérieure, précise le parquet. Il risque 5 à 7 ans d'emprisonnement.